Christian Kitungwa Muteba, au cadre de l'avenir du Congo, à cause de l'ambassadeur Danny Banzamaloba, a débuté ce vendredi sa tournée dans les différentes cellules de ce parti politique dans la ville de Kalemie. Première étape, c'est la cellule Kichanga. Sur place, Kitungwa Muteba a été ovationné par des militants venus à cette occasion. Celui-ci a expliqué qu'il est en visite d'itinérance pour rassurer qu'il vient concrétiser ses promesses d'épargne remis à toutes les femmes de Kichanga 1 et 2, mais aussi celles de Kichanga et Wabora, un don qu'il a dit provenir de l'ambassadeur Danny Banzamaloba. On avait donné à nos membres, nos militants, à cause qu'on devait descendre dans toutes les bases pour pas seulement redynamiser parce que les bases sont dynamiques déjà, mais surtout concrétiser et donner les dons que notre leader, l'ambassadeur Danny Banza, a voulu que les mamans Ako puissent porter des pagnes. Aussi, Christian Kitungwa Muteba s'est rendu à la cellule Kamarin de Kalemie, une ambiance électrique qui a caractérisé ses nombreux membres venus l'écouter. Des projets de forage sont déjà en cours d'exécution dans quelques quartiers. Ce sont des actions que nous menons déjà, parce que nous avons déjà commencé à forer. C'est pour permettre à ce que nos compatriotes puissent boire de l'eau pure. Parce que quand on va traverser la nappe aquifère, pour permettre à ce que l'on puisse avoir l'eau pure. Et cette eau va servir la population de notre province, la population de la ville de Kalemie. Il a en outre rappelé que tous avons l'obligation de soutenir le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Pour le moment, nous sommes en train de passer dans toutes les bases pour permettre à ce que les gens se rangent pour 2023, ainsi que le soutien au chef de l'État. C'est très clair, aujourd'hui, tout Tanganyika s'aligne derrière la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, pour permettre à ce que 2023, qu'il gagne haut la main dans cette province. Dans la même soirée de ce vendredi, Kitungwa Muteba Christian s'est rendu à deux autres cellules, Moni 1 et 2, où il a été stoppé net par des conducteurs de taxi-moto. Sur son chemin de retour, une atmosphère de satisfaction qui a caractérisé ce début de tournée dans les différentes cellules à Ako, dans la ville de Kalemie, chef-lieu de la province du Tanganyika.